Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un unboxing de Noël PS. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter la boîte. Donc voilà. Bam. Donc c'est la limousine Pet Shop. Elle est trop. J'adore trop le caniche. Alors la limousine se présente comme ça. Donc voici un peu la boîte. On va retourner. Je vais vous montrer sur le côté aussi. Donc je filme derrière, donc dehors, pardon. Donc c'est normal si vous entendez des bruits de vent. Attendez, petite macro. On va attendre qu'elle se fasse. Bon, bah, elle est pas prête de se faire. Alors, et voilà. Bon, il n'y a pas tout ça. Et c'est elle, donc la numéro 3847. Donc voilà, on va ouvrir tout de suite et je vais chercher une paire de ciseaux. Alors ma petite paire de ciseaux. On va ouvrir ça. Je sais pas comment je vais faire. Hop, attendez. C'est un peu. Avec leur scotch là. Je crois que c'est bon. Donc voilà. Merci la paire de ciseaux. Alors, on va déballer ça. Si j'y arrive. Je sais pas si vous voyez bien, mais là je regarde. Alors j'ai après vous montrer ce qu'il y a dedans et voilà. Ouh. Donc après il reste la boîte hein. Voilà, je pense pas la garder. Donc voici voilà où. Alors là on a la limousine et là on a le pet shop qui est toujours chez, avec 3 millions de choses, donc je pense que derrière voilà, bon, là il y a la notice mais on s'en fout. Voilà. Alors là on a plein de scotch. Là je crois que c'est là où le pet shop a un acte. Je sais pas où est-ce qu'il est attaché le pet shop. Bon bah du coup c'est un peu galère. Je vous mets en accéléré et je vous retrouve juste après. Le petit fil que je vais enlever. Désolée mais je filme dehors. Bon je vais pas réussir. Alors et après on regardera de plus près la limousine. Hop. Donc voici le pet shop. Et il y a... Je vous montrerai tout ça en détail après. Donc je vais détacher la limousine et le reste. Et je vous retrouve juste après. Bon bah voilà j'ai tout déballé. Donc voici la jolie limousine. Alors je vais vous la montrer de mieux. Donc ça m'a pris environ 5-6 minutes à tout déballer. Je vous dis il y a des petits... mobile. Attendez parce que... voilà donc je vais vous la montrer. Donc elle est toute violette. Alors là on a deux places avec un petit volant qu'on peut tourner. On a une piscine, enfin une oui une piscine avec de la fosse eau et il y a des petits trucs pour mettre les pet shops dessus. Et après on a deux places et encore de place. Moi j'adore vraiment beaucoup, je la trouve trop jolie et mais voilà je trouve ça trop beau. Donc ensuite avec il y avait donc ceci qu'on retrouve maintenant dans tous les nouveaux pet shops. Donc ce sont les sortes de petits accessoires. Voilà, c'est pas très intéressant. Voilà voilà. Donc voilà qu'on peut coller. Par contre je me suis fait voler là. Le mannequin. Voilà. RIP.
Du coup, on va voir le pet shop de plus près parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment vu en fait. Donc là, il a juste une ficelle autour de son cou. Donc voici le pet shop qui est un petit caniche qui est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est mon premier caniche. Donc voilà, c'est le nouveau pet shop. Sauf qu'il y a ça en fait qui gêne. Du coup, je pense que je vais le couper. Voilà, voilà. Donc dites-moi si vous l'aimez. Moi, je l'aime beaucoup. Et derrière, il y a le petit machin pour l'application dont je ne me sers pas du tout. Et la petite... La petite paire de lunettes. Lunettes en forme de cœur qu'on peut mettre sur le pet shop. J'ai vraiment fait ça. Tout de suite. Et voilà, elle est magnifique, je trouve. Donc voilà, moi je pense pas mettre tout ça parce que moi je les garde en réserve au cas où. Et voilà, j'adore. Donc voilà, je pense que c'est la fin. Merci d'avoir regardé. Et puis, à très bientôt. Bye tout le monde.